On est ici à Barrie, en Ontario, pour tester le nouveau King Quad 2019 750. Il vient aussi dans le 500cc, mais aujourd'hui, on s'attarde un peu plus sur le 750. Alors, c'est une belle surprise, un modèle complètement inattendu. Alors, on teste ça pour vous aujourd'hui. Le modèle phare depuis plusieurs années dans l'industrie du quad subit une cure de rajeunissement. Les ingénieurs de Suzuki sont parvenus à corriger les légères lacunes du modèle précédent, en plus d'y ajouter plusieurs nouveautés pour cette nouvelle version du King Quad 750 2019. Tout d'abord, son design est plus moderne et son look en général est d'allure plus sportif que l'ancienne version. Tous les éléments du véhicule ont été soumis à une cure de rajeunissement et soulignons plus particulièrement le retour du troisième phare avant situé sur les guidons. Beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer le comportement du King Quad en sentier. Une direction assistée plus précise, un nouveau châssis, une suspension ajustable plus ferme, des freins plus performants et l'ajout de nouvelles barres stabilisatrices rendent le King Quad plus stable lors de manœuvres sur le terrain. Les mises à jour effectuées sur le moteur monocylindre de 750cc, jumelées à la diminution de poids des rouleaux de la transmission CVT, permettent d'obtenir plus de puissance disponible tout en améliorant la réponse lors des relances du King Quad. Ces changements profitent également à l'aspect utilitaire, augmentant sa capacité de remorquage à 1300 livres. Le retour en force du King Quad ne peut que démontrer la ferme intention de Suzuki de rester l'un des chefs de file en matière de VTT de grande qualité. King Quad 750 2019, plus de style, plus sportif et plus performant. Ceci conclut notre belle journée d'essai du Suzuki King Quad 2019. Alors, on avait sous la main l'ancien modèle et le nouveau. On était en mesure de faire des comparatifs, ainsi qu'avec la compétition, on avait Yamaha sur place. Alors, pour plus de détails, procurez-vous les prochains numéros de nos publications. Et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez aimé, partagez!